Je dis, hein, je vois les Haoussas du Gabon qui viennent revendiquer la nationalité gabonaise en 2023. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous revendiquez la nationalité gabonaise? Quand il y a des choses au Gabon, on ne vous voit pas. Ou bien parce qu'il y a déjà des articles qui mettent en péril vos biens. Vous ne revendiquez pas la nationalité gabonaise parce que vous aimez le Gabon. Vous la revendiquez parce que vos biens sont en danger. Je vois une âme qui dit, Ping, il n'est pas gabonais. La mère de Ping est gabonaise de souche. Donc il est gabonais. Et en plus de cela, vous dites que non, vous êtes venu depuis des années quand... Mais ça ne fait pas de vous des gabonais. Parce que vous n'êtes pas la seule communauté vivant au Gabon. Il y a des Béninois qui sont là depuis aussi. Belle lurette, etc. Mais ils ne revendiquent pas la nationalité gabonaise. Et vous n'êtes pas un ethnie du Gabon, vous êtes une communauté qui vit au Gabon. Il faudrait qu'on vous le dise. Vous ne faites pas partie des groupes ethno-linguistiques du Gabon. Si c'est le cas, quel est votre point de chute pour voir réellement d'où vous venez? Et c'est pendant qu'Ali Bongo était président que vous devez revendiquer normalement votre nationalité. Parce que là, c'est mort. C'est mort. On n'y a même pas levé. Et un adage qui dit, même si on jette un bois dans l'eau pendant des années, il ne deviendra jamais caïman. Vous avez compris ?